Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait des baleines à bottes over vitalité, sans dos neutre, sans prospection. C'est pour aller sur un Sacrieur R PVP. On va viser un over vitalité et si on n'a pas un over assez puissant, je tenterai un crit dommage au sort dessus en plus. Et comme d'habitude, je pars dans l'idée de faire du double repassage, c'est-à-dire de FM naturellement jusqu'à ce que le PM tombe et j'essaierai de faire un puits PA sans le PM et de terminer par succès critique PA et PM. Voilà, un peu comme d'hab, hein, vous commencez à avoir l'habitude, je fais tout le temps comme ça pour chercher des gros gros jets. Donc là, on a une première tentative, on a 92 de puits. Je vais commencer par un petit crit rage pour bien commencer, voilà, ce qui me permet de récupérer directement derrière sur la force. J'ai moins 6, mais attendez, mais bon, j'ai déjà sacrément bien monté. J'ai bien taffé là. Ça tombe bien, je viens juste de vider les dos neutres, hein, j'ai puisé dedans, c'est pour ça que j'ai un beau jet comme ça. Écoutez, on a 86 de puits là-dessus. C'est-à-dire deux runes pavies. Oh, ça aurait été incroyable que la deuxième passe en vrai. C'est dommage parce que là, si la deuxième passait, c'était 354 et ça pouvait me faire un 504. J'ai presque envie de bourriner une pavie. Vas-y, on va faire le beau jeu pour la première. J'ai moins 3 du coup, j'ai 77. Et là, j'ai 7 tentats ravis là-dessus. Je vais voir un. Ah. Bon. Je voulais pareil avec, avec un 5 à la place du 4 devant. Bon, on finit d'utiliser le puits. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 95 de puits. On va commencer par. Petite page. Moins 3. Une rune chat. On va mettre une récrie gentiment. Moins 1. Faut passer la rafo maintenant. Moins 10. Les récris, moins 6. Le dos R, moins 10. Et il nous reste 65. C'est-à-dire 2 tentavis, une pavie et 6 ravis. Eh bah, timide. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA et on casse le PM, du coup on va partir comme ça. Des fois que. Attendez, j'ai. J'ai pas du tout ça. Tac, plus 12, plus 90, moins 100. J'ai 76 là-dessus. Ok. En vrai, avec du full crit peut-être. On peut full pas faux. On va tenter. Hein. Ça peut crit quand il y a beaucoup de choses qui sont tombées là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai moins 18 là-dessus. Il me reste 58. Une. Deux. Oh, le con, j'en ai mis une de trop. Ah! J'ai fait quoi là? J'ai fait moins 2 et du coup j'ai moins 9. Il reste 47, donc on refait. Il faut une vie, deux pavis. En vrai, voilà, deux pavis. Et il reste 4 avis là-dessus. J'ai pas eu de crit, c'est dommage. Et on n'a pas le PM. Bah allez, on continue. Ok, le PA qui saute juste derrière. Bon, on a 95, du coup le G, j'ai pas pu le remonter correctement. On va voir quand même. Encore une fois, avec du crit, ça peut faire des trucs. On va commencer par une petite passa. Ça pique. Ok, vas-y, passe ça, moins 9. Mettre le repère, le dommage. Moins 16. La petite page. Moins 9. Le récrit. Moins 4. 21 restants, bon, on va pas aller loin malheureusement. Oh, même pas on a le perf quoi. Évidemment là-dessus on a le PA, hein, on connaît. Bon, bah on continue. 97 depuis. On va commencer par la rafo. Chaque fois en fait que je peux avoir un over de 3 comme ça, c'est parfait, ça me la récupère sur l'autre rune.
Attendez, mais on est pas mal, là. J'ai moins 6. Petite récrite. Moins 4. Ouh, j'ai beaucoup de puits, là. On a 77, on peut faire... Une vie. Deux pavis. Et 7 ravis. Allez, une petite deuxième, quand même. 430. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 89,6 de puits. Alors, en termes d'over, là, ça va être un peu relou. On va devoir monter ça gentiment. Moins 6. Moins 15. J'ai hésité à y aller avec des rats. J'aurais peut-être dû. J'ai moins 15 encore là-dessus. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre des rats en vrai. Cela, je bouffe beaucoup pour ça. Moins 11. Il me reste 36 là-dessus. Bon, petit over mignon. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 95 de puits. Très très belle tenta ici. On a les 40 sagesse en plus. Le jet est vraiment haut. Ça fait un moment que je suis dessus. Il a mis du temps à sauter. Allez, faut qu'on récupère. Parfait. J'ai donc 75 là-dessus. Elle est vraiment belle, hein, pour le coup. On peut mettre deux runes vie. Une pavie. Et on va avoir 7 ravis. La question, c'est... attends, je n'ai qu'à dire une. C'est, est-ce que j'ai, là, j'essaie de retomber à 355? Ou est-ce que je me pose cette question que quand je dépasse les 450 pour essayer de viser le 505? C'est un peu ma grande question, là. On va voir. J'en ai encore une de plus. Ouais. Bon, est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 99 de puits. Alors, il faut mettre une rafo. Nice, moins 10. Merci beaucoup, Yoka, pour l'abonnement. Merci à toi. On récupère l'over, du coup, sur le crit qui crit. Ça, c'est vraiment la classique, hein. On va le mettre du coup sur la fuite. Ok. On va mettre une petite rune récrit, moins 2. On va mettre la raage, moins 10. La passa, moins 18, ça pique. La fuite et le récrit, moins 6. On a donc 53, c'est-à-dire une pavie et 5 ravis. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. Et vous aviez oublié le PM, hein. Je l'ai caché parce que tout à l'heure j'ai mis ce clic le PM, ça m'a mis mal. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 98,4 de puits. On va mettre la petite rafo. Moins 30, ça fait mal. Ok, le crit... Là, tout de suite, en fait, bah, comme là, il y a le PM sur l'item, bah, le G, il est beaucoup moins haut, hein, sur le reste. C'est classique. 49, on a 3 pavis. Je vais en mettre qu'une, je pense. Bon, à quoi que. Attendez, là, j'ai moins 3. Il me reste 46. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est systématiquement d'aller chercher le 355. Est-ce que je peux me permettre? Merci beaucoup pour les subgifts. Est-ce que je peux me permettre d'aller chercher? Je me dis, en fait, j'ai envie de faire du beau jeu, quoi. Est-ce qu'on a assez de puits pour que ce soit viable? Là, je pense, en vrai, on n'a pas assez de puits. Là, on va faire une tenta petit joueur parce qu'on n'a pas le puits qu'il faut. Là, j'ai 1, 2, 3 et 4. Ok, 444, en vrai, elle est belle. Mais sur des cas de figure où j'aurai un peu plus de puits en stock, j'essaierai de viser systématiquement les 355 pour aller essayer de chercher les 505. Bon, est-ce qu'on a le PA là-dessus? En vrai, si on a le PA là-dessus, ça c'est ok pour moi. En plus, bah là, c'est magnifique, hein, c'est perf sur toutes les lignes qui m'intéressent, donc sauf sur les deux qu'on a négligées. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Le PA passe, j'ai vu l'avenir. Pourquoi tu mens comme ça? 98 depuis. Bon, 38 sagesse, ça fera pas un G perf. Bon, de toute façon, on n'est pas en G perf, hein, parce qu'il n'y a pas les deux neutres.
On peut appeler un GPR sans prospection pour de l'item PVP, mais de neutre, c'est compliqué. C'est pas grave, en tout cas, nous, pour ce qu'on veut, ce sera très bien. On va mettre une rafo directe. Ouf. Ah oui. Oui. Alors, c'était pas le programme, en fait. Bon, bah écoutez, j'avais qu'à être meilleur. Il me reste 8 de puits pour faire un over vita. Peut-être 2 pavis qui passent, hein, on sait jamais. Eh ben non. Et pas de PA, évidemment. Bon, bah next. 99 de puits. 38 de sagesse, malheureusement. On va commencer par forcer l'overforce. Moins 3, parfait. Récupère ici, au récrit. Non mais là c'est de l'abus, j'ai vraiment pas le droit de récupérer mon over. Bon. Très bien. Voilà. Ensuite on va go... Pas âge. Là j'ai eu moins 7. Une petite rune d'eau, une petite rune fuit. Voilà, ça crit bien quand on est en dessous de la valeur max avec du puits. Je vais me mettre 2 âges. Moins 6. Allez, repère. Moins 11. La fuite, moins 4. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Moins 6. On a 62 là-dessus. En vrai, je peux mettre 4 pavis. Attendez, est-ce que ça vaut la peine? Ouais, je pense que c'est pas mal. 4 pavis. Parfait! J'ai tellement géré le truc. Là, on a eu moins 9, mais je veux rester à 305. Donc en vrai, je peux même mettre une rune ça. Est-ce que je mets une rune ça ou est-ce que je garde une pavie à la fin? Vas-y, pavie, c'est peut-être plus logique. Non, vas-y, on va tenter le beau jeu. On tente le beau jeu à fond. On met une rune sagesse et on a 5 ravis. Il m'en faut juste 4 pour avoir le 505, ça va. C'est quoi 4 ravis avec... Bon. Non mais j'ai tenté le beau jeu, voilà, on pourra pas me l'enlever. Pas de PA. 96 depuis. Bon, on n'est pas trop mal en soi, là. En tout cas, en termes de congruence sur les stats, on est bien. On va mettre les petits dommages. Moins 5. Bon, 38 sagesse à nouveau, mais bon. On va prendre ce qu'on a, hein. Moins 15 là-dessus. C'est correct. 67, le PM est présent sur l'item. On a du coup une vie, une pavie, deux pavies, 6 ravis. Bon, ah, c'est pas drôle. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 96,2 depuis. Bon, encore une fois, le PM reste sur l'item, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, les tentats sont un peu moins belles. J'espère qu'il va sauter assez vite. On va commencer par l'over agi. Ok, ça passe direct, c'est cool. Ça aurait pu flinguer un peu le truc. On va mettre le repère haut. Moins 10. La rafo qui crit. Oh, nice. En vrai, elle est belle, 83. On a une pavie. On a 8 ravis là-dessus. Allez. Une. Deux. On a gagné une tenta. Une dernière. Ok, bon, en vrai, là-dessus, c'est pas mal. Si on a le PA, ça sera bien pour moi. Est-ce qu'on a le PA sur cet over de 97 de vitalité? On n'a pas le PA. 94,4 depuis. On va commencer par... un over agi. Ok, ça passe. Elle était un peu compliquée à passer, celle-là. On va récupérer un dos terre... Hop, la petite rune chat. Allez, l'over ici. Nice, moins 9. Le crit me met plutôt bien. Le crit ici. Et ça passe. Moins 7. Bon, on s'en sort bien. 68 là-dessus. Nice. Allez, 6. Un peu timide les ravis, hein. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA.
80 de puits sur un remontage, là je suis pas convaincu de ce qu'on peut en tirer. On a toujours le PM sur l'item. On va commencer par passer ça. Moins 6. La petite pop-up qui régale comme d'hab. Moins 9 ici. Moins 5. Moins 10. Allez, le dommage. La fuite et la récri. Full crit, évidemment. On a du coup 50 là-dessus. En vrai, why not, hein. Avec un peu de réussite. Bon, en vrai, c'est honnête. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Oh, mais j'ai pas l'habitude, tiens. On a le PA. Bon, bah là, il me manque une ravie pour que je puisse accepter l'over comme ça. Du coup, je vous propose une rune de mage sort. On va essayer de crit ça. Si on crit ça, ça me fait un item magnifique, hein, pour aller sur mon sacrieur. Est-ce qu'on a le crit de mage au sort? On n'a pas le crit. Est-ce qu'on a une ravie qui casse le PA ou le PM, ce qui me permettrait de repartir sur un over direct? Non plus. Est-ce que on peut faire ça peut-être? Ok, imaginez là, le cas de figure idéal, c'est je mets une ravie, ça casse le PA, on monte à 504 vita et on le repasse. Là, ce serait vraiment le cas de figure parfait. Et non. Tant pis, on continue tranquillement du coup. Ok, le PM qui saute enfin, ça va nous libérer. On a quand même peut-être l'opportunité de faire une belle tenta quand même sur le puits PM. On a 85, on va commencer par la passa, qui passe, moins 9. Le doter, la fuite, moins 9. La réécrit, moins 2. Ok, on a 65. On va go full ravi, je pense. Du coup, je peux faire une tenta ça. Ça fait moins 3. On a 62. Imaginez la dinguerie qu'on peut sortir là. Oh! Eh, il nous en reste une, on a eu un crit. Imaginez le 504 là. Non. Il me reste du coup 2 de puits, donc j'ai 2 tentes à vie. On gaspille pas. Voilà, il vaut mieux. Il faut les mettre à la fin pour être sûr que ça nous bloque pas et que ça nous empêche pas d'atteindre le 504. Mais là, du coup, on les utilise à la fin. Est-ce qu'on a le PM là-dessus ou quel cas ça m'ira? On n'a pas le PM. 76 de puits, là c'est sur la chute du PM, je l'avais caché, c'est pour ça que je l'ai pas vu direct. Bon, il faut commencer par Petitra âge là peut-être, moins 20. Ok, là pas faux. Moins 6, c'est fine. On récupère parfaitement. Les dommages, moins 10. Et on a 40 de puits. 430, est-ce qu'on a le PM là-dessus? Oh bah oui, c'est bien ça. Du coup, on a... tac... 96,6 de puits. Là, il y a peut-être moyen de négocier quelque chose. Le plan, c'est... En vrai, faut juste que je mette une vie. 9 ravis. Let's go! Peut-être un 505 comme ça qui sort, hein. Moi je suis prêt à tout. On a eu 1, 2, 3, 3 crits. 1, 2 et 3. Dommage. Il me reste 6. J'ai 2 pavis. 1, 2. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 99 depuis. Nice. Ça commence très bien. Moins 9. C'est potentiellement une très belle tenta qu'on a ici. Le crit. Du coup, on a 90 de puits là-dessus, mais c'est incroyable en vrai. C'est une très très grosse tenta. J'aurais mis un petit succès neutre à la rune vie pour aller chercher peut-être le 503. Du coup, on a 9 ravis là-dessus, c'est vraiment big. C'est parti, 9 ravis. Allez, allez. Bon. On a le PA, est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. Bon, le PA qui saute pendant la remontée, c'est pas ouf, mais les congruences sont restées bonnes, on peut tenter des choses peut-être. On va déjà commencer par 2 ravis, moins 10. On va mettre une repère. Mettre la J, moins 3.
Moins 16. Moins 2. On a 59 là-dessus. Est-ce que ça vaut la peine que je mette de la pavie? Bon, j'ai envie de tenter du Beaujeu en vrai. J'ai 43. Vas-y, on va faire les choses bien. Allez! Il m'en faut juste 3 sur les 4, hein. C'est pas compliqué en soi. Alors, je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. C'est dommage. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 94 depuis. On va commencer par une petite pafo. Nice. Ok, on récupère un peu, on crit. Mettre un dos. En vrai, non, là, pas âge. Ok, c'est très très cool, très bon début. Là, les congruences sont excellentes. Là, pas ça. Oh là 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 là, dinguerie. Moins 10. On a 80 là-dessus. C'est parti. On a eu un crit. Ok, bon. Si ça passe là-dessus, ce sera bon pour moi. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. Bon, bah, direct après, ça ressaute. Heureusement, la vitesse était déjà bien remontée. On a 90, du coup, il faut retoucher un peu les lignes, mais ça peut le faire. Moins 9. Moins 2. Allez, les raises. Moins 12, c'est ok. Bon, on peut s'en sortir avec une petite tenta sympa. Moins 6, j'ai 61 là-dessus, bah c'est parfait. On peut faire une tenta vie et 6 ravis. La consommation de ravis que j'ai est assez impressionnante en vrai. Bon, ouais, c'est pas marrant. Est-ce qu'on a le PM là-dessus? On n'a pas le PM. 52,6 depuis, je suis un peu abattu, j'avais fait sauter le PM, j'ai pas vu, j'étais en train de discuter avec le chat, j'ai misclick une rune d'OR ici qui me fait perdre 5 depuis, c'est un peu triste. Bon, en vrai, on va pas faire une dinguerie, je pense, ce qui est cool, c'est surtout que le PM est sauté. On va essayer de monter déjà ça pour commencer, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 24. 28 depuis, bon, ça fait pas beaucoup de puits ça. En vrai, là, je pense que le meilleur call, c'est de tenter un crit pour gagner une tenta. Et ben voilà. C'est pour le nombre de fois où je me donne la peine de faire ça, ça fait du bien quand des fois ça marche. Donc du coup, on a 3 ravis. 1, 2 et 3. Et une de plus. Bah tout ça pour ça. Pas de regret, on a fait les choses comme il fallait. Évidemment, là-dessus, le PM passe. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire de ça, en fait, à part mettre une ravie. Ah, on a cassé l'interface FM. Trop d'ambition dans le FM. Est-ce qu'on peut avoir un crit ravi là-dessus? Ou casser le PAPM? Non. Toujours pas. Tant pis, on continue. 99,2 depuis. Celle-là, elle peut être belle en vrai. Il nous faut une RAFO. Nice. Moins 10. On récupère gentiment ici. On va mettre... les petits dommages, moins 10. Oh, c'est une très belle tenta, on a 76. En vrai... en vrai, de vrai, le beau jeu, là, c'est de tenter un crit rune tacle. Comme ça, si ça crit, on gagne une ravie. Non mais là, s'il vous plaît, c'est trop. Deux fois d'affilée, quoi. Bon là, normalement, il y a une dinguerie qui sort. Hein. Ah, j'étais assez sûr de moi. Bon, en vrai, elle est magnifique quand même. Franchement, le goût de la rune tacle qui fait gagner une ravie, là, c'est quand même... là, c'est le beau jeu. C'est vraiment le beau jeu. Si ça pouvait passer là-dessus, ce serait quand même assez stylé. Est-ce qu'on a le PA sur cette over 500? Pardon, 105 vitalité avec les 40 sagesse en plus. Oh, j'y croyais tellement. J'y croyais tellement. Non. 88 depuis. Nice.
Hop, les congruences sont plutôt bonnes. Bon, on a 39 sagesse, on va être bloqué là-dessus, mais on va faire avec. Moins 6, on va mettre les deux terres. Moins 15. La fuite, moins 4. L'appâage à moins 3. Et il nous reste pile 50, en vrai c'est fine. 1, 2. Ça vaut pas le coup, je pense ici que je rebaisse à 355. 3, 4 et 5. Pas de PM. 88 depuis. On va commencer par une PAFO, une RAFO, moins 10. La petite récri. Le crit repair évidemment. Ouf, c'est dur ça. Moins 20. Nice. Moins 10. Bon, on s'en sort pas si mal en vrai. Moins 6, on a 42. Bon, en vrai, c'est deux runes vie qu'à Travis. Hein. On n'a pas le PM. 99 depuis. On va tenter un crit pas fuit. Nice. On va remettre l'overagi, moins 10, on vient récupérer, et j'adore quand ça fait ça. Toujours plus, hein. Ok, bah écoutez, incroyable, c'est inespéré là. Ça me met très... mais what the fuck, ça me met tellement bien. Moins 1, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça se passe bien. Moins 9, dommage, on a 79 du coup. Il nous faudrait une pavie. Nice. En vrai, pour l'instant, c'est pixel. Moins 10. Là clairement, on la tente, là. On enlève 10 de vita. Il me reste 6 ravis là-dessus, les amis. Est-ce qu'on peut aller chercher le 505, peut-être? Ah! Il en manque une. Bon. On est sur un 455 avec les 40 sagesse. C'est quand même très très beau. Est-ce qu'on peut avoir le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 90 depuis. On va commencer par l'overforce qui passe direct, c'est cool. On récupère peut-être ici. Ok. L'overagi. Moins 6. Bon, ça passe plutôt bien, hein. Ça fait plaisir. On a un petit doter à placer. Moins 5. Et ben voilà, on a 69 depuis. Il nous faudrait une pavie, en vrai, ce serait très cool. Dommage. Ça aurait fait potentiellement un 504. Bouah, c'est pas fun. Pas de PA. 90 depuis. Bon, je suis un peu blasé par les stats qui sont à 59 toutes les deux. J'ai presque envie de mettre Ra into pas ça, mais... on va y aller gentiment comme ça, en vrai. Moins 6. Le petit récrit parfait. Moins 18. Ça va, en vrai. Hop, le reste est bien monté. La petite passa qui passe, moins 7. Il reste 59 là-dessus. Je pense pas avoir de rab. Par contre, ce que je peux faire, c'est ravi. Et là, il faudrait absolument que je puisse récupérer 1. Il faut que la chance elle passe en succès neutre là. Dommage. Dommage, dommage. Du coup, j'ai 4 avis là-dessus. 1, 2, 3 et 4. Du coup, il doit rester 9. Ok, j'aurais pu avoir une ravie de plus. Et là, évidemment, j'ai baissé pour aller chercher les 502. Donc, on a PA, PA, PMR passé. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 96 depuis. Bon, le PA qui a eu du mal à sauter... Congruence pas top là, la sagesse 38, ça fait un peu badé. En revanche, la vita est bien pour faire un giga over. On va voir comment ça se passe. Petite rune chat. J'ai moins 2. Ok, en vrai, ça commence plutôt bien. On va avoir moyen de lâcher un gros truc là. 88, il aurait fallu que la rune neutre elle passe en succès neutre et je gagne une ravie, c'est un peu triste. Je vais retenter un crit du coup. Dommage. Là, du coup, j'ai moins 4.
J'ai 84. Je crois que je peux tenter une parée neutre. Si elle passe pas, j'ai 78 plus 2. Je peux tenter la parée neutre là. Si ça crit, je gagne une tenta. Ok, normalement j'ai encore 8 du coup. Parce que là j'ai moins 6, 78, je récupère 2, j'ai 8 ravis en principe. Ah, on va gratter le puits au max, hein. C'est le concept, allez. Allez, une dernière please. En vrai, c'est déjà correct. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 91 de puits, on va commencer par une rage. Nice. Comme ça, on peut récupérer sur la Pafo, c'est magnifique. La petite Passa, moins 18, dommage. On a 63 de puits là-dessus. On va ravi. Je vais systématiquement aller partir du principe que je peux taper les 500 et quelques. On va tout le temps ravi et baisser l'over. On est là pour le beau jeu. On a du coup moins 10. Je peux mettre une rune tac. Je réfléchis, est-ce que je ferais pas autrement? En vrai, je peux pod. Je peux mettre une réfixe et une pod. Non, pardon, pas une réfixe, une stat. Genre faux. Et une pod. On fait les choses genre vraiment bien, tu vois. Tac, ok, magnifique. On a plus 0,1. Ravi. Moins 7,5. Et du coup, on a 45, 6. 1, 2, 3 et 4. Il reste 5, dommage. Ah, il manque de ravis, quoi, je reconnais. Hé, le petit cri de pavie, mais bien sûr! Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 97 de puits, bon, le G est vraiment big. À voir comment je vais gérer la Vita. Moins 19. J'ai combien? J'ai 24 à virer là. En soi, je peux tenter moins 6, moins 5 et pod. Si j'ai full moins 5, je vise moins 25. Ou alors... Ouais, non, si, je pense que c'est le mieux. Tac. Moins 5, dommage. Là, du coup, j'ai le moins 6, mais du coup, c'est plus ce que je veux. Parce que je vise 355, hein, pas 350. On va tenter comme ça. Moins 1. Ah, il me faut encore moins 2. Ok, on s'est fait troller. NP, on a 78. 78, on peut pas faire grand-chose de plus. Je peux même plus tenter de crit quoi que ce soit. Tant pis, on y va comme ça, on aura test. Reste 8. Petit cri de pavis, ça peut régaler. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 96 depuis. Non, 97. Bago pas âge. Moins 9. De terre. Ok, le crit. Là, pas faux. Ouf, moins 15. Il reste 73. On va mettre une ravie. Allez, 501 peut-être. Il reste 6 ravis. On aura du coup 4 en rab. Donc une vie, une pavie. Une vie. Une pavie. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 98,2 de puits. On va commencer par les petites stats. On va mettre un de terre, un de fuite.
Et c'est parti. Moins 9. Ok, ça commence plutôt bien. On a 74. Match de ravi. Moins 10. 64 restants. Il nous faut un moins 10. Alors, forcément. En vrai, c'est pas mal. Ah, du coup, il manque pas grand-chose pour avoir une tentative de plus. C'est 6 ravis du coup, et j'aurai 8 en rab. Deux. Faut pas que je me sois trompé là. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 99,6 depuis. Le G est très haut. On peut mettre une petite pafo, moins 3. On va partir directement sur la Vita. Petite pavie qui crit. Oh, ça se présente très bien pour l'instant. Est-ce qu'on peut avoir un moins 6 là-dessus? Aïe aïe aïe, dommage. Ah! Bon. On a 86 plus 2, on a 88. C'est parti pour 8 en tas. Et on aura 8 de rab. C'est dommage. Pas de PA. 99 depuis. On va commencer par l'overforce, moins 20. On va récupérer sur la J. Moins 9. On reste 70. Un cri de pavie aurait mis bien là. J'ai 67, j'ai envie de tenter un crit prosp. Ah non, mais il y a de la prospection sur l'item, my bad. Non, il me faut un truc qui pèse 3. On va se mettre, je sais pas, une payinée. Hop. Si je peux crit ça, je gagne une ra. J'ai moins 9 du coup là. Moins 4. J'ai 54. Bon, on va mettre une rune de sagesse. Moins 3. 51, on a 5 ravis. On optimise, hein, on utilise un max de puits. Oh, bah, c'est bien. Oh, bah super. Alors, si c'était passé, j'aurais badé. En vrai, je suis con, j'aurais même pas dû mettre le PM. Là, le call, c'était plutôt de mettre une ravie, je pense. NP. Je regarde si on peut miraculeusement sortir quelque chose à partir de ça, mais j'y crois pas trop. À moins d'avoir une quantité de crit astronomique. En vrai. Alors, je sais pas, j'ai combien de puits. Oh, je suis trop con, j'aurais dû mettre une petite rune vie au début. J'ai pas compté en me disant que ça allait être de la merde. Normalement, là, j'étais à 0. Ben, on va faire du coup. J'ai plus 1, plus 15, plus 100, moins 90, moins 10, moins 9, moins 27, moins 6, moins 8, moins 20. Il me reste 16 là-dessus. Ah, mais ouais, j'aurais pu. Mais c'est pas possible. J'aurais dû mettre une petite rune vie au début. Bon, NP. Est-ce qu'on a le PA du coup? Mais attendez, mais là. On a un over 100 vita. Je l'ai pris à la légère en mode ça va être de la merde, alors que tu peux miser sur du full crit là-dessus. Hein. J'aurais dû mettre le. Là, je devrais être à 455. Enfin, ça sert à rien de raisonner comme ça c'est pas valable. Bref, on se comprend. Pas de regret, on en est là. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. Bon, je suis content, le PM qui ressaute derrière. On est du coup à 80. On va mettre le petit overforce, moins 10. Ok, pas âge, pas âge. Moins 15. 52 restants. Dommage. Pas de PM. Ouais, j'ai le PM qui a sauté. 68 de puits, du coup, j'ai déjà tapé un peu de runes. On va go ra-âge, je pense. Moins 10. On va récup peut-être comme ça. Ok, du coup c'était pas ouf. Tant pis, on va y aller à la pas pour l'over.
Ouais, c'est pas ce que j'aurais voulu. J'ai vu trop tard que le PM avait sauté en fait et ça, j'aurais pas dû gérer le puits comme ça. Ah bah super. Hein. J'ai même pas envie de compter. Ok, nice, on repart du coup. Attendez, mais en vrai là-dessus. Je me posais la question, est-ce que il vaut mieux que je mette le dommage sort avant ou après le PM? Parce que là, admettons, je fais un puits, je fais pas de la merde et je tombe là-dessus. Normalement, je tente dommage sort. Est-ce que je ne mettrai pas maintenant? Ok. Bon, NP, on continue. Ouais, je suis pas du tout en puits là, juste j'ai un peu crit des grosses runes, j'en arrive à là. Donc on va tenter un crit de dommage sort à nouveau. Qui ne passe pas. Est-ce qu'on peut casser le PA direct derrière? Non plus. 95 de puits, elle est vraiment belle. Là, les congruences sont incroyables, il me faut juste que je mette deux pas-âges. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça pique un peu, on est à 71. Ouais, c'est timide, hein. Pas de PA. 90 depuis. En vrai. Faut passer ça. Ok, moins 10. J'ai presque envie de mettre une pavie. Alors, c'est pas très marrant ça. Bah, il reste 30, du coup, là, ça vaut pas le coup de retomber. Ok. On n'a pas de PA. 95 de puits. Les congruences sont vraiment nickel là. Il y a une rafo à passer. Et elle crit, c'était la rune la plus dure. Ok, potentiellement, c'est l'attentat là. C'est potentiellement le The Big One, comme on dit. On a moins 1. Le crit. Oh là là, ça fout le crit. 94! Ok, c'est peut-être maintenant. On a les 40 sagesse. On a 9 ravis. Bon, je pourrais tenter triple crit d'une rune réfixe pour gagner une tenta, mais je vais plutôt les garder pour avoir 4 de rab à la fin si on n'arrive pas à 503. Mais évidemment qu'on va arriver à 503, qui en doute en fait. Allez. Je veux du 503. Oh, c'est pas drôle. Bon, est-ce qu'on a le PA? Oh, la désillusion. Une fois de plus, j'ai eu beaucoup de crit, on en arrive là. Est-ce qu'on crit une 2 perso? Non. Est-ce qu'on casse le PA derrière? Non plus. 98,4 de puits. On a les 40 sagesse. On va mettre une petite pavie. Bon, le jet est pas terrible. La rafo qui passe, ça fait plaisir. On va spammer les pas-âges. Oh, le misclick! Catastrophe. Ça, c'est le réflexe mutatique, ça m'a encore trollé. Moins 6. Bon, il me reste 70. Ah, il y a le dos. Fra, c'est terrible. 65. Le misclick. Je l'ai vu venir à 1000 km. J'ai su que j'ai les misclicks avant de misclick. C'était terrible. Bon. Ravi là-dessus. Moins 10. Runini peut-être, moins 6, nice. Il reste 55. Bon, on se console en se disant que ça devrait pas changer grand-chose objectivement, mais c'est quand même un misplay. Est-ce qu'on peut avoir un petit 505 là-dessus? Non, il reste 5. 1, 2, 3. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? En vrai, elle est belle quand même. On n'a pas le PA. 97 depuis. On va commencer par. Âge, moins 10. On récupère pas malheureusement. Moins 18 là-dessus. On va mettre la petite passa. Moins 9. Le 2R qui crit, l'RS qui crit. Ce qui nous fait donc 60 tout pile. Bon, en vrai là-dessus c'est 60. Donc on a eu un crit. 100 d'over avec 40 sagesse, ça fait quand même plaisir. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce qu'on a le PM? Si on a le PM, ça me va et je prends l'item comme ça.
on n'a pas le PM. 91 de puits. Ça peut donner quelque chose de sympa. Il faut qu'on passe une rafo. Moins 30, ça pique. On va mettre direct do R récrite. J'aurais peut-être pu garder la récrite en vrai. On a moins 7. On a 54. On peut pas vie. On peut vie. On a 5 ravis. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. Je... Ah mais attendez, mais j'ai le PM encore depuis tout à l'heure là. Ok. Est-ce qu'on crit une 2 perso là-dessus? Pas de crit 2 perso. Est-ce qu'on peut crit une ravie? Ou peut-être casser le PA ou le PM et repartir en over? Non plus. On continue. On recasse le PM direct après, ça me régale. On a 85 du coup. On va mettre la petite page. Moins 9. On a moins 18, moins 5, moins 12, reste 41. Ok, est-ce qu'on a le PM là-dessus? On n'a pas le PM. Le PM vient de sauter, on a 80 depuis. Hop, moins 9. Vara âge, moins 10. Ok, le crit, ça régale. Ah! C'était le cas de figure un peu tricky. En vrai, ça pose aucun problème. On va y aller comme ça, gentiment. Est-ce que ça vaut la peine de mettre de la pavie? J'ai combien? J'ai 61 derrière. En vrai, non, pas de pavie. On va mettre plutôt de la paillinée. Ça fait une ravie déjà, moins 10. Faut qu'on vire 10 comme ça, il reste 51, c'est 5 ravies. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Dommage. Il reste 1 du coup, hop. Est-ce qu'on a le PM? On a le PM. Est-ce qu'on a un crit de perso? Pas de crit de perso. Qu'est-ce qui se passe si on met une ravie? De la merde. Next. 98,2 depuis. 38 de sagesse, dommage. Moins 10. Ok. Faut mettre la fuite. Petite rafo moins 20. Ok, ça coûte quand même assez cher, mais on s'en sort pas si mal. Le jet était assez haut de base. On a, oh, on a que 4 avis en fait, c'est de la merde. Je pensais que ça allait être bien, mais c'est nul à chier. Sauf si on full crit évidemment. Hop, hop, hop. Oh, mais bien sûr. Et oui, on passe des runes vie à 403 en fait. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Ah, mais j'ai mon PM aussi. Est-ce qu'on met une 2 perso en crit, par exemple? Non. Qu'est-ce qui se passe avec la ravie? J'avais encore du puits. Je me disais bien que 40, c'était bizarre. J'ai dû faire nymphe avec le puits. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me demande si j'ai pas compté deux fois moins 20 en appuyant en faisant un misclick sur la touche calculatrice. Je me demande si genre là j'ai pas une deuxième ravie là. En fait j'avais peut-être mon 458 là. Ok, je suis abattu, j'ai fait nimp. J'ai fait nimp avec ma calculette, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bah NP, on va retenter du coup un dommage sort. Ok, ravie, toujours pas. J'aurais pu mettre deux ravies de plus, c'est un peu sad. Bah écoutez, c'est étrange. On continue. 99 depuis. Est-ce que je mets une pavie?
En vrai, je pense pas. On va mettre une painée. Le G est assez fat en vrai. Enfin, tout est monté. On a même le PM. C'est assez rare d'ailleurs. Quoique. Voilà, pas une écho. Ok, allez, c'est réglé. On va mettre du coup 2 ravis. Moins 10. Et là, il faut juste une petite rune chat qui passe. Parfait. Et il reste 9 ravis là-dessus. Ok, là, c'est big. C'est vraiment big. Waouh! Nice! Oui, j'avais pas fait gaffe, j'ai le PM qui a sauté. On va voir ce qu'on peut en faire. J'ai limite envie de tenter un crit pas d'eau. Ça se tentait. Du coup, on a 23. Hop, hop, hop. Et bah, super! 90 depuis. On va go. Raage. Moins 20. La rafo qui passe, ça fait plaisir. On récupère. Tac, 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 tac. Moins 8. 52. C'est pas trop mal en soi. Il faut des. Bon, j'ai mis ce clic. Ça change pas grand-chose objectivement. On a moins 20. Il faut que je vire. Enfin, j'allais dire que je vire une rune vie, mais objectivement, bon. 32. En vrai, baisser la vita, je peux le faire à 450. Je peux le faire une fois que j'ai dépassé les 450. Hein. C'est peut-être même plus smart de le faire dans le sens là, en fait. Après, bon, ça peut peut-être un peu empêcher les runes de passer plus haut, mais. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 97 depuis. On va go là-dessus. Ok, nice, c'était la pire rune à passer. Ça peut être beau là. Alors je suis presque tenté de. D'overvita de mettre la dernière page ensuite, mais c'est trop dangereux. Si ça passe pas, je vais être dans la merde après. Il me faut moins 12 là. Et eh ben on est bien, 75. C'est une très belle tenta. C'était une très belle tenta. 35. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 97 depuis. 38 sagesse, c'est un peu triste. Le reste est fine. On va go rafo. Moins 20. Comme ça, on fait réécrit, pas âge. Ok, c'est propre. 74. On va d'abord mettre une ra. 6. En vrai. Reste 4. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 96 depuis. On va go pa-age. Ouf. Ra-age. Moins 20. Le G est un peu plus bas que d'habitude en vrai. On va mettre la pas faux maintenant. Moins 1, parfait. La passa. Moins 18. La fuite. Ok, on a 51 là-dessus. Bah, c'est pas ouf, hein. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. Oui, en fait, j'ai pu bourriner la vita juste derrière. L'attentat n'était pas fini. On a 16 encore là-dessus. Une, deux. Une qui passe pas. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Let's go.
97 depuis. On va mettre ça, moins 10. Ok. Moins 10. Hop. Bon, dommage qu'on n'ait pas récupéré sur le dommage. Je vais y arriver. Ah, je me suis fail. Alors, tac. Tac. 72. Allez, full réécrit. Ok, full crit. Bah, 72 de puits restant du coup. C'est parti. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Bah techniquement on a le PA. Hein. Bon, on enchaîne du coup, on a 409 divisé par 5, plus 14, plus 90, moins 100. A chaque fois je coupe le record quand ça me fait ça, alors qu'en fait on peut encore continuer. Il faut deux pages là. Une rage. Ok, elle passe, c'est cool. Mais je suis trop con, je pouvais récupérer avec des runes vie. Oh, je suis un attardé. 72. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout ça pour ça. Évidemment, le PM passe là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir un crit de dommage sort? Non. Éclaté, c'est nul. 83 depuis. On va commencer par Rafo. Qu'on peut peut-être récupérer sur la récrite. Non, on a un crit. On va mettre une petite raie neutre. Hop. La question là, c'est est-ce que je double pas âge ou est-ce que je raage? En vrai, on va y aller tranquillement à la pas âge, je pense. J'ai aucune ligne sur laquelle j'ai besoin de récup. Ok, ça passe nickel. Petite rune chat. Ça crit à nouveau. Elle est plutôt belle, hein. On a 59 là-dessus. Ça me fait du coup potentiellement 61, là j'ai moins 8. La grande question c'est est-ce que je baisse la vita maintenant ou est-ce que j'attends d'être à 459 pour la baisser? C'est ça la grande question. J'ai tendance à dire que je peux attendre d'être au-dessus de 450 pour la baisser, ça me fera quand même des belles tentas de dommage sort. Si je voulais maximiser mes chances d'avoir un plus de 500 vita, il faudrait que je la baisse maintenant. Mais c'est plus raisonnable de la baisser après, je pense. Ok, est-ce qu'on a le PM là-dessus? On n'a pas le PM. Alors on casse le PA. On peut voir ce qu'on peut en faire. Souvent je coupe le record ici, mais en fait il y a encore moyen de négocier des trucs. On a plus 3, plus 5, plus 100, moins 90. On a 99,8 depuis. Si on full crit... Là j'ai moins 3. Là typiquement j'ai 96. J'ai envie d'y aller avec de la pavie pour changer un peu. Faut que je pavie jusqu'à 105. Voilà. Il me faut... Là du coup j'ai moins 12. Là j'ai 84 restants. Est-ce qu'on peut avoir une tonne de crit là-dessus, par exemple? Ça peut être un bon plan, ça. J'en ai eu combien? 2. 1, 2. Tac, tac. Et le PA qui repasse. Bah, c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? On met une ravie, on espère que ça casse le PA ou le PM. Et c'est pas le cas, malheureusement. On continue. 86 depuis. On va commencer par... L'araage qui passe. La force, moins 9. Les récrites. On a moins 16. Ok, il nous reste 51 là-dessus.
On va mettre direct les ravis. Et il nous reste du coup une rune vie qui ne passe pas. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. Une fois de plus, on peut tenter du crit. On a 84. Est-ce que je fais comme j'ai fait avant en pavis? Je pense que c'est peut-être une bonne idée. Monter à 105 à la pavie. Là, ça me fait moins 15. Dommage, il m'aurait fallu moins 12. C'est pas impossible que j'ai un tout petit peu de puits de résiduel. Alors, je voulais pas cliquer, mais ça, elle passe. J'ai 69,4 là-dessus. En vrai, je dois en avoir encore 6, je pense. Bon, j'en ai 6 sûrs. Est-ce que j'en ai une de plus? Attendez, là, j'étais à ça et j'ai eu moins 40. En principe, j'ai 29, là. Il me reste tac, tac. Donc là, je suis censé avoir encore 3 pavis. Elle n'est pas passée la dernière. Hein. Hop, ok. Bon. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. Est-ce qu'on a le PM? Et auquel cas, ça fait une tenta. Dommage, sort. On n'a pas le PM, mais on a à nouveau du puits. En vrai, avec les crits, on stack du puits à chaque fois. Tac. J'ai 103 de puits. Ah, mais j'ai pas cassé le PA, je me disais bien c'était bizarre. Ok, donc en fait j'ai 405 sur 5, plus 12, moins 90. Ok, j'ai 3 de puits. Ah, c'est pas la même chose là. Je me disais aussi. Bon, on continue. 70 de puits. Bon, il faut écrire de la ravie là. Ou alors. On va d'abord gérer le reste de l'item. On a moins 5. J'ai 65 là-dessus. Est-ce qu'on mettrait pas une petite rune vie? Genre, moins 1. J'ai 64. Il y a un monde où... À chaque fois que je veux déplacer la rune, je la remets, ça la passe. Bon, du coup, j'ai moins 10. 50. Ah non, mais ça suffit même pas, en fait. C'est tac, tac. 1, 2, 3... 4 et 5. Et on a le PM. Est-ce qu'on a un dommage sort là-dessus? On n'a pas de dommage sort. Est-ce qu'on peut casser le PA ou le PM avec une ravie? Non plus. Dommage. On continue. 90 de puits. On va commencer par l'arrahage. Moins 20. On récup pas du tout puisqu'on crit. Ok. La rune fuit. Moins 2. La rafo. Ouf. Moins 20. Les stats ont coûté cher. Là. Moins 10 pour les dommages. Moins 24 pour le repair. Bah, c'est marrant ça. 14 restants. 14 c'est quoi? C'est une vie, une pavie, une ravie, non? Ouais. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. Bon, on recasse le PA dans la foulée, il faut juste s'occuper des récris. On va faire comme ça, moins 2, moins 12 et moins 2. J'espérais avoir du crit sur les pas. Ce n'est pas passé. 74, on a vie, pas vie, pas vie, 7 ravis. Un crit. On a eu un crit. Dommage. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 85 de puits. La congruence est pas trop mal sur la sagesse en particulier. Il faudra passer la rage. Ok, ça passe. Si on a du crit sur les grosses runes, ça peut faire un truc sympa. Il nous faut les pas faux. Moins 12. La passa, moins 9. Bon, on a le full perf. Enfin, moins les lignes que je prends pas, évidemment. 44.
Pas ouf ça. Hein. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 88 depuis. On va commencer par... double par écrit. Ok, on a eu du crit. Double fui, du crit à nouveau. On va rage. Moins 20. Ça coûte cher. On récupère à la repair. Là, pas faux. Moins 12. On récupère pas, malheureusement. La passe à qui passe, moins 9. La fuite, moins 4. Dommage, moins 5. Ouh, il reste plus beaucoup depuis. 28. Bon, bah on n'ira pas plus loin. Alors, je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de remettre le PM à chaque fois en premier, parce que ça m'emmène dans une situation où j'ai tout le temps payé à PM sur l'item. Est-ce que je devrais pas plutôt mettre dommage sort là-dessus? Auquel cas, là, si ça passe pas, je pars en... avec juste le PA sur l'item et ça correspond plus à ce que je veux, quoi. Je pense que je vais partir là-dessus, parce que sinon je passe ma vie à avoir des tentats qui peuvent pas mener assez loin. Est-ce qu'on a le crit dommage sort? Je change un peu de protocole, j'expérimente pour voir comment ça se comporte. Hein. Est-ce qu'on a le crit? On n'a pas le crit. Est-ce qu'on peut casser le PA à la ravie? Non plus. Tant pis. On continue. 94 depuis. On va commencer par Lara Age. Nice. Si je pouvais récupérer là-dessus, ce serait parfait. Non, ça passe pas. Double pas faux. Moins 9. La repair, moins 6. Et la fuite, moins 4. On a 65 là-dessus, c'est pas trop mal. Enfin, je refais du FM avec le PM tombé sur l'item. Ça devrait un peu mieux passer. On a du coup... deux runes vie. Let's go. Une pavie. Et on a 6 ravis là-dessus. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Magnifique tenta à 93 depuis. On va go pas rage. Ok, elle passe, c'est magnifique. Si je peux récupérer le dos R. Oh yes, c'est la tenta parfaite. Là, j'ai cassé le PA en passant à 40 à la sagesse. Ça, c'est vraiment la meilleure sensation. Là, pas faux. Ce serait bien que ça troll pas. Ok, moins 9. Elle est magnifique, l'attentat. C'est une des plus grosses qu'on ait eues, je pense. On a 74 depuis. On peut mettre une rune vie, une pavie. Et on a 7 ravis là-dessus. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Énorme tenta à 98 depuis. Il y a juste la pas âge à passer. C'est maintenant. Moins 12. On est à combien? On est à 86. Ouais. J'ai donc... Techniquement, j'ai deux pavis, mais là, comme j'ai une bonne congruence, on va essayer de tenter le 502. Et on mettra les pavis à la fin. On a donc 8 ravis. Allez. Allez, allez. Il me faut du vert. Oui. Il reste deux pavis. Bon, si ça passe là-dessus, ce sera ok pour moi. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Est-ce qu'on a le PM? Ça me ferait plaisir qu'on puisse enfin boucler cet item. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. 87,6 depuis là-dessus. On va go. Pas faux. Rafo. Ça pique. Rage. Moins 20. Bon, on risque pas de sortir grand chose à partir de ça. C'est surtout pour casser le PM. Peut-être un crit là-dessus? Non. Moins 12. Moins 12 sur les raises. Fuite, récrit, moins 6. Et il nous reste bah, 4 depuis. C'est magnifique. Et on a la pavie. Nice. Est-ce qu'on peut peut-être casser le PA à la ravie? Non, ça aurait été magnifique, évidemment. Tant pis, on continue. 97 depuis, grosse tenta en perspective.
Faut juste qu'on monte les stats. Moins 9, parfait. 88 restants. Là, je peux quasiment y aller. Je vais même y aller direct à la ravie. Parce que là, à la pod, je récupère 2,5. On pourra gagner une tente à ravie à partir de l'over. Là, j'en ai 8. J'hésite toujours. Est-ce que j'enlève l'over dès que j'ai dépassé 350 ou est-ce que j'attends d'être bloqué? Je cherche aussi un peu ma façon de faire. J'expérimente différentes approches. 8 ravis là-dessus. Ah bah, j'ai bien fait de pas enlever direct. J'ai donc 2 runes vie, 2 pavis. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 93,4 de puits, dommage pour la sagesse. On va go raage. Ok, moins 10, on a le crit. Est-ce qu'on récupère sur le 2R? Non. Est-ce qu'on peut avoir la Pafo? Moins 21, ça picote. Ok, le 2R, moins 5. On a 57, c'est pas beaucoup. Je suis à 389. Non, soit là. Il n'y a pas grand-chose à espérer. On va go double ravi. Une vie, deux pavis. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 96 depuis. On va go. On va go raage. Pavis. On va go rafo. On enlève à l'arrêt fixe. Ok. Petite rune fuit qui crit. L'arrêt paire qui passe. Il me faut deux passas. Moins 18, c'est correct en vrai. 46 de puits, bon, c'est pas une très grosse tenta. Une, deux, deux, trois et quatre. Et bon, on s'en sort avec quelque chose de correct. Est-ce qu'on a le PA, ce qui nous ferait une tenta de deux sorts? On n'a pas le PA. 88,6 de puits. On va mettre une Pafo. Moins 12. Une Repair. Moins 4. Une Raage. Moins 20. Pas ça. Moins 16. On a 36. Eh ben super. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 96 de puits. On a les 40 sagesse. Ça peut faire une belle tenta. J'ai presque envie de go rafo. Oh, la mauvaise idée. L'idée c'était de récupérer en pas H derrière, mais. Bah, ce qui était une potentiellement belle tenta devient de la daube. On a 5 ravis. C'est ça, donc. Évidemment. Est-ce qu'on a le PA? Pas de PA. 92 de puits. Bon, on a les stats assez basses. On va go pas faux. Rafo, ok, ça passe, nice. On récupère pas. La raage qui passe sans trop faire de problème. Ok, on a 66 là-dessus. On peut double pavis. Et 6 ravis. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 97 de puits. Bon, il y a juste des petits overs à faire sur les stats. Si ça passe assez vite, ça peut faire un truc sympa. Ok. On a 85, 87 du coup. On va mettre une rune vie.
2 pavis. Et 8 ravis. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 94 depuis. On va go petit pafo. La rafo qui passe. Repère. Dommage. On va mettre la repère haut. Moins 6. Le dommage. Qui crit. Petite page à moins 3. On a 66. Allez, 6 ravis. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 94 depuis. On va go double pas faux. Moins 6. Lara Age qui passe, moins 10. L'attentat est potentiellement sympa en vrai. On va mettre la pas faux, moins 3. Lara écrit qui crit, on a 75. Oh, c'est pas mal. Si j'enlève du. Vas-y, on va double vie. Pas vie. Ok. On a 7 tentats ravis là-dessus. Ok. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Bon, en principe, pour de l'over, j'accepte 90 mini d'over parce que 90, c'est l'équivalent d'un 3% en termes de puits. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Comme raisonnement, mais bon, voilà, c'est pour fixer une limite. Donc là, en théorie, c'est dans mes critères, même si ça me ravit pas, sans mauvais jeu de mots. Est-ce qu'on a le PM? On a le PM. Ok, bah, je suis finalement un peu blasé parce que c'est franchement pas ce que je voulais. On est en deçà du jet que j'avais dans la tête. Mais bon, on a passé déjà assez de temps sur l'item, on va s'arrêter là pour l'instant. Et puis s'il faut, on refera un tryhard d'un meilleur jet. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de tentats dommage sort, mais bon voilà. C'était une session assez fastidieuse, mais c'était intéressant, j'ai exploré plusieurs façons de faire, j'étais aussi dans l'optique d'établir des protocoles pour des tryhards ultérieurs sur l'item. J'en referai certainement d'autres si je valide ma volonté de le jouer dans les modes. Et on pourra réessayer du coup d'avoir des meilleurs jets en Vita, et, ou d'avoir du dommage sort avec. Et les grosses interrogations c'était, est-ce que sur l'over Vita, je le baissais à 355, ou est-ce que j'attendais d'avoir plus de 455 pour le baisser pour pouvoir tenter le 505? Ça, c'était la première interrogation. Et la deuxième, c'est quand j'avais un over vita insuffisant et qu'il me manquait le PM, est-ce que je mettais le PM ou une rune dommage sort pour remettre le PM après? Voilà, j'ai un petit peu testé différentes choses et c'était intéressant. Mon avis n'est pas forcément complètement tranché sur les questions, donc ce sera peut-être à revoir et à rediscuter. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo Forge Magie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonus, passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur un magnifique maillépitaphe pour aller sur un écaflip feu PVP. Magnifique.